gagner en termes de politique, je pense que c'est pour ça. Par exemple, on va faire nos niches, nos points, nos contacts politiques. Nous allons pas quitter le dossier Anel, le dossier Gacha Delva. Et pour nous mener nos côtés au vrai, avec les gens, et puis pour oublier le journal Moïse. Nous pouvons oublier le journal Moïse. Nous pouvons tout pas que nous pas retirer mon tête calée au secours. Alors, nous ne pouvons jamais aller en souffle de Bahia. Nous pouvons, en gros, c'est un décadé. Après ça, question Gacha Delva. C'est la police, c'est la justice qui fait le travail, qui vous même ne m'inquiète pas. Mais encore même, nous priorisons la bataille contre le Moïse. Dernier jour, ça, pendant la semaine, ça, nous, mobilisation pour le TBC. Qui ça a fait pour capable de lancer mobilisation? Mobilisation, j'en ai dit, nous avons dans le pays Venezuela. Nous avons dit que nous donnons mobilisation contre le Moïse avec plus de 60 pays. Et nous avons un peu de temps après, demain, lundi, après-midi, nous avons un processus pour le bail. Nous avons un bilan de la situation de Venezuela. Et ensuite, pour nous dire que nous avons tout, on ne va pas relancer mobilisation en ta pays. Pourquoi? Les gens politiques qui ont fait ton pays, parfois politiques qui ont fait le bas, même les gens mobilisation qui baissent, ce n'est pas un problème qui résout. Toujours des problèmes d'inflation, toujours des problèmes de dollars, toujours des problèmes de grand coût, les gens qui ne sont pas produits. C'est-à-dire nous tous, nous allons aller vers le chaos. Il faut qu'il y ait des gens qui ont fait une décision. Non, non, quoi? À partir de lundi qui a venu là, on ne peut pas commencer à bailler dans tous les 4 pays pour qu'on ne veut pas payer les gens. Attendez, non, encore un premier ministre qui choisit. C'est bien. Est-ce que le premier ministre a fait un changement de monde qui voulait l'argent faire du Caribe? Non. Est-ce que quelqu'un a résolu le problème d'inflation? Est-ce que c'est le cas accompagné du président Latibonite? Non. L'école de parents, c'est le cas des parents? Non. Est-ce qu'il a résolu le problème de faire des gens dans la grande ville? Est-ce qu'il a résolu le problème d'insécurité généralisée? En tant que pays, on ne peut pas faire ça, non. En gros, nous nous pensons que ce premier ministre, son véritable gagot, et nous avons dit que tout le monde est en fait pour la galerie. Et ça fait nous, nous allons prioriser par exemple la bataille noire. Nous visons directement Jovenel Moïse parce que c'est le même qui symbolise le bateau du bateau farine. Même si on mettait 1000 premiers ministres, on ne peut pas résoudre parce que c'est la bourgeoisie avec l'intention de la situation paysanne après Jovenel Moïse. Nous nous gagnons pour nous fouquer Jovenel Moïse et c'est de toute façon ça nous prévoit pour libérer le pays, pour nous l'autre système, pour nous repenser le pays à zéro, pour tout le monde gagne placement dans le pays. Et nous pouvons lever le cap pour une révolution qui fait encore une base politique, mais cette fois-ci, nous devons présenter l'économie paysanne et socialement, nous devons améliorer la vie citoyenne. On croit que c'est un décadieu et ça fait nous dire nous-mêmes, nous avons besoin de bagailles, pour miner, nous-mêmes, c'est Jovenel Moïse, n'a fouqué. Voilà, c'est à la tête plateforme Petite Dessalines, sénateur Jean-Charles Moïse, qui tout parle nous de voyage qui sont faits dans le pays étranger, qui ont participé dans l'atelier de travail dans le pays Venezuela. Il a rencontré avec le président vénézuélien Nicolas Maduro et plusieurs autres dirigeants latino-américains, tant que président bolivien Evo Morales, et mais tout représentant du Parti communiste espagnol, non, une façon pour être capable de travailler dans tête ensemble, d'après ça, le fait qu'on est. Ancien sénateur, qui est candidat pour place président dans la dernière élection, il a précisé, et il a gagné pour porter solidarité au bail. L'autre monde, dans quatre batailles qu'il a menées, et en parlant de rencontres qui ont été faites dans le pays Venezuela. Nous avons le secrétaire général de la plateforme Petite Dessalines, non, Jean-Charles Moïse, toujours dans le micro, dit deux pas. Nous parlons de lundi, nous parlons exactement le message pour nous venir de envoyer pour le bail cher. Nous avons rencontré avec Maduro, nous avons rencontré avec le vice-président et qui est Diosdado Cabello, qui est un personnage qui est important dans le Venezuela. Et puis tout, nous avons rencontré avec un pile parti politique, parti de gauche, qui est parti socialiste pays Venezuela qui est sous pouvoir là, qui est parti de gauche et vous m'en laissez dans pays Bolivie, qui est parti Morena qui lui-même sous pouvoir là, qui